Guérie de son cancer, amoureuse, à l'affiche de plusieurs nouvelles séries, Clémentine Célarier engage un nouveau chapitre de sa vie. L'occasion d'une rencontre avec l'actrice et metteuse en scène, qui se confie à Gala dans une interview à retrouver en intégralité dans le numéro de notre magazine, sorti en kiosque ce jeudi 25 mai. Clémentine Célarier s'y confie notamment sur ses trois grands-enfants. Je ne souhaite pas trop parler d'eux, mais Abraham, l'aîné, qui a 38 ans, est dans la musique. Gustave, 32 ans, aussi, et Balthazar, 30 ans, dans le cinéma. J'aimerais bien travailler avec eux, précise-t-elle néanmoins dans nos colonnes. Clémentine Célarier a su son fils aîné avec bassiste franco-malien guinéen Henri Diallo. Son cadet et son benjamin sont les fils du réalisateur belge Christophe Reicher. Trois enfants que la comédienne reconnaît avoir élevés de manière assez stricte. Photo, Claudia Tagbo, Michel Simès, Clémentine Célarier. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. Clémentine Célarier, quelle mère est-elle? J'ai été une maman sévère, avec des valeurs telles que les repas en famille, le partage, la vérité et l'honnêteté. Je les ai incités à ne rien lâcher et à croire en eux, à aller au bout de leurs envies, nous confie Clémentine Célarier dans son interview à Gala. Je ne compte pas les fois où j'ai dit à l'un de mes fils, je ne partirai pas de ta chambre tant que tu ne me diras pas ce qui ne va pas. Je voulais qu'il parle, qu'on fonctionne à la confiance. Une méthode d'éducation qui semble avoir porté ses fruits, au vu de la relation que Clémentine Célarier nourrit aujourd'hui avec ses trois fils, désormais adultes. Aujourd'hui, mes enfants sont mes premiers alliés. Ils sont aussi des supporters artistiques. On échange beaucoup, se réjouit dans nos colonnes l'actrice et metteuse en scène. Je ne voulais pas d'écran entre eux et moi. D'ailleurs, mes petites filles n'en ont pas. Notre interview de Clémentine Célarier est à lire en intégralité dans le nouveau numéro de Gala, en kiosque ce jeudi 25 mai ou disponible en cliquant ici. Vous pouvez aussi recevoir Gala chez vous chaque jeudi en profitant d'une offre d'abonnement sans engagement. Crédit photo, Rachid Bellac.